Bon les abonnés, si j'avais un seul conseil à vous donner dans la vie, ça serait de ne jamais oublier l'anniversaire de votre meilleur ami. J'ai oublié celui de mon meilleur ami et voici ce qui est arrivé. Le samedi 14 mars, votre ami Ethan vous a invité à son anniversaire. Voici ce qui s'est passé un jour avant. J'étais tranquillement posé sur mon lit, sur mon téléphone, je traînais finalement sur internet. Et Ethan m'a envoyé un message. Salut, hey, demain c'est un jour spécial. Y a quoi demain? Je sais pas lol. C'est quoi ça? Haha, bonne blague! Mais c'est mon anniversaire, nous dit Ethan. Ah, là, il y a un problème, les amis, j'avais... Non, j'ai complètement oublié son anniversaire! Jamais faire ça, les amis, jamais. Vous avez oublié l'anniversaire de Ethan. Écrit blanc sur noir. Alors, comment ça va se passer, là? Vous avez oublié l'anniversaire de Ethan? Essayez d'avoir toutes les fins. Ouais, on va essayer. Wow! Oula. On va se laver, déjà, ce serait pas mal. Il y a une boutique à l'extérieur. Peut-être qu'on devrait aller voir. Ouais. Par contre, j'espère ne pas croiser Ethan, parce qu'on va se faire allumer. Oh! Oh! Oh, bah déjà, ça commence mal, me fait victimiser par une porte. Hé! Non! Referme-toi, on va rester là, et c'est bon. Oh, on découvre la maison ensemble, que je ne connais pas. Oh! Regardez, Thème, il est tellement mignon, il est fou! Alors, par l'extérieur, c'est quoi? Oh, il y a cette pièce, on ne peut pas y accéder apparemment, il va falloir trouver une clé, peut-être que c'est dans la poubelle, par hasard. Non, il n'y a rien de temps. On va aller voir dans le frigo. Des petites lays, très bien. Ah mince, c'est pas pour moi, c'est pour l'axolote. Bon, on va essayer de le manger quand même, mais je suis pas sûr que ce soit bon. Hein. Je le mange, désolé. Oh, non, je peux lui donner à manger. Non, attendez, je vais le manger d'abord. C'est parti. Oh. Ah ouais, d'accord. Ah bah, c'était déjà la première fin, c'était la fin la plus rapide. La fin. Bon, bah c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a déjà une fin sur neuf. Ça, c'est très cool, mais par contre, cette fois-ci, alors attendez, on va le refaire en mieux. On va lui donner plutôt parce que bon. Donc, tiens, petit axolote. Voilà. Oh, mange pas tout, mec. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Sérieusement, c'est pas normal de faire un bruit comme ça. Oh là 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 là. Il va lâcher un gros roi à la fin, vous allez voir. Bon, il faut aller à l'anniversaire, les amis. Oh, regardez, je peux... Ah ouais, la clé était là, en fait, j'avais même pas vu. Ah, c'est bon, il a tout mangé, c'est parfait. On ferme le frigo. Donc, normalement, je peux ouvrir ici, maintenant. Parfait. Voilà, on peut sortir, on peut aller voir le shop tranquillement. On va essayer peut-être de trouver un cadeau pour notre pote, hein, parce que le pauvre, on a déjà oublié. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? C'est not the knock of my mind. Attends, je te prends de l'argent, merci. 15$. Oh, c'est l'inverse d'un SDF, en fait. C'est lui qui nous donne de l'argent, d'accord, très bien. Bon, on va aller au magasin tranquillement avec nos 15$. J'espère pouvoir acheter quelque chose. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, c'est le jour international des rhubarbes. Ah ouais, du coup, le prix est carrément à 0$, quoi. C'est gratos, merci, hein, c'est le jour international. Est-ce qu'il faut que je paye ou pas? Oh, je suis sûr, si je paye pas, je vais me faire allumer. Attendez, mais non, j'ai pas besoin de payer, de toute façon, c'est 0$. Non, c'est bon, il m'en veut pas. Ok. C'est bon, c'est bon. Ok, on prend ça. On s'en va sans payer. On s'en va sans payer. Oui, c'était sûr qu'il allait m'avoir. Oh, il a un bazooka. Il a un bazooka. Non. Je voulais juste faire un plaisir à mon pote, à mon ami, pour son anniversaire. Hein? Oh, c'était bien une fin. On va recommencer, bien évidemment, en tâchant de faire attention. Hein. Alors, dans ma chambre, il y a cette petite tirelire là. Oh, let's go, ça m'a permis d'avoir un petit peu plus d'argent. Ça, c'est nickel. Et oh, on peut se changer ou pas? Bon, apparemment, les amis, la deuxième fin là que je viens d'avoir avec le magasin, c'était la même que la première. En fait, c'est une fin de ouf, en fait. C'est une fin de mort. Donc, bah. Oh, je me vois pas dans le miroir. C'est une fin de mort. Donc, en fait, bah, il va falloir trouver les autres fins. Bah, si on meurt, en fait, ça sera la même fin. Donc, ça sert à rien. Allez, je vais manger ça tranquillement. Oh! Ah, il m'en faut 9, hein. Il m'en faut 9, mais par contre, il va me falloir plus d'argent. Ah ouais, on va essayer de faire ça, les amis. On va essayer d'avoir assez d'argent pour pouvoir acheter... Oh, bah oui. En même temps, avec ce que je viens de manger, Zariko, c'est pas... C'est ça et pas... Hein. Alors, attendez, est-ce qu'il y a un petit peu d'argent? Oh, il y a besoin d'une clé jaune, là. Et bah, on va regarder dans la poubelle, il y avait quoi, déjà? Tout à l'heure, je sais plus. Ah, là, il y a de l'argent, parfait. Donc, on va avoir assez d'argent pour pouvoir acheter... Ben 9, hein, 9 boîtes d'haricots. Hein. Oh, mais regardez, il y avait des boîtes d'haricots ici, là. C'est parfait, vas-y, go. J'espère que c'est pas une fin où je vais mourir encore, hein, sinon, ça ne m'aurait pas débloqué. On peut aller dans le métro, là-bas, apparemment. Ah, c'est sûrement là-bas qu'on va pouvoir trouver notre ami, je sais pas. Je sais pas trop où il habite, honnêtement. J'oublie son anniversaire, en plus, je sais même pas où il habite. Ah, tu parles d'un meilleur ami. Allez, on en mange une. Attends, je dois la payer. Ouais, je vais la payer d'abord. Je vais la payer avant de la manger quand même, parce qu'on va éviter de se refaire tuer, hein. Un coup de bazooka à la tête, c'est pas ouf. Donc, tiens, je repaye.
Merci, je mange plus que 4 à manger. Alors là, par contre, il n'y en a qu'une seule. Il va falloir en trouver 2 ailleurs. Oh, et là, il y a le film aussi, 35$. Il y a le film à prendre. Et en fait, il va nous permettre de le mettre dans le magnétoscope qui est à l'intérieur, là. Chez moi. Ah, et t'as pas d'autre, t'as rien? T'en as pas d'autre? Attends, je vais aller dans la poubelle s'il a pas un truc. Quelque chose? Non, il a rien. Ok, ok. Il va falloir que je trouve des boîtes ailleurs. Hein. Peut-être derrière le magasin, dans la salle de stockage, non, on peut pas. Ah mais non, mais j'en avais dans mon frigo, je crois. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ce truc là? Bizarre. Je sais pas ce qui va se passer, mais je le sens pas ton truc. Ah oui, il y en a 3, c'est parfait, ok. On a tout ce qu'il faut, les amis. On va pouvoir donc découvrir une nouvelle fin, je l'espère, à ce jeu de ouf. Attention, ah, qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, je vais devenir plutôt malade, je pense, parce que 9 boîtes de conserve. Ah voilà, c'est ça, je suis devenu un zombie. Je ne me sens pas très bien. Non, oh, ah. Oh. Oh, c'est la fin des beans! Yes, 2 sur 9! Let's go! Bon, alors, attendez, parce que là, il faut prendre l'argent. On en aura besoin forcément à un moment. Ah, mais j'avais pas vu, mais en fait, il y a une voiture complètement écrasée dans ma vitre. C'est quoi ce délire? Et voilà, j'avais acheté donc cette petite, ce petit CD là. Voilà, parfait. Tiens, mon pote, merci! Allons, on va aller tester ce disque chez moi. On va aller le mettre dans le lecteur CD, évidemment, en espérant que ça fonctionne. Hein. Il y a marqué quoi sur... Ah d'accord, les poubelles, c'est, ça sert à rien à part pour jeter nos items hein, qu'on a durement eu. Hein. Allez, insert disque, alors. Oh non, non, j'ai pas le droit de mettre cette musique, j'ai fait un dernier recall. C'est un gros troll, en fait. Je me suis fait troller. Il faut absolument... trouver une clé jaune, la clé jaune pour ouvrir ici, je suis sûr il y a un truc de ouf. Alors, bon bah là ce que je vais faire les amis, c'est que je vais les manger en boucle, hein, et puis dès que j'en ai 25, eh ben, je reprends la vidéo, hein, voilà. 1, 2, 3, 4... Ok, 24, 25, c'est bon! Je les ai, alors là, est-ce qu'on va se transformer en zombie encore? Ah non, on est devenu tout rouge maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais exploser ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Cette tête que j'ai, quoi. Ok, c'était la fin, oui, barbe. Bon, ben voilà, je commence à avoir des trophées, hein, des fins différentes. 4 sur 9, ok. Oh, mais attendez, il y a un numéro, là. On va tenter de l'appeler, attendez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. J'espère que ça va marcher, hein. On va appeler Locksmith. Allô? Allô? Y a quelqu'un? Oh, Locksmith a été appelé. Ouais. Je l'entends pas. Oh, il arrive. What? What? C'est quoi cette fin de bouffe? Oh, allez, je vais me faire défoncer. Laisse-moi tranquille. Je veux juste retrouver mon ami, moi. Je veux juste aller fêter son anniversaire. On va se faire allumer. On va te faire allumer. Tu peux pas me laisser tranquille. Me tue pas, s'il te plaît. Oh. What? Bon, il est parti. Il est parti, tout va bien. On va le rappeler, on va le rappeler. Allô? Locksmith, tu reviens ou pas? Il va revenir ou pas, mais c'est déjà cassé, alors là, je sais pas ce qu'il va faire. Oh oui, il revient. Oh. Ah, votre porte est ouverte. Mais je savais qu'il fallait l'ouvrir une deuxième fois pour débloquer la suite. Ah, tu peux arrêter de me faire perdre mon temps. Ah, désolé, mais j'ai que ton numéro, en fait. Oh, vas-y, on va le rappeler, on va le rappeler. Parti. 5, 6, 7, 8, 8, 8, c'est beau. Allô, Locksmith, viens là, mon pote. Le pauvre, il va péter un plomb. Reviens pas avec ton bazooka par contre. T'as déjà pété ma porte comme ça. Ah, c'est bon, il est là. Ah, il nous redit la même chose. Ah, peut-être que ça va rien changer, hein. Ah, il nous faut la clé jaune. Je sais pas où elle est. Ouais, désolé, j'arrête de te faire perdre ton temps. T'inquiète. Allez, c'est bon, attends. Ok, allez, on va aller visiter donc sur la gauche, voir un petit peu ce qu'il y a. Le métro là directement. Et là. Mais c'est mon ami, les amis. C'est mon ami, c'est l'anniversaire de mon ami, on va aller le voir. Attendez, attendez, il y a un petit personnage à mon guest. Ben voilà, ça fera un cadeau, ça. Parfait. Petit cadeau. Voilà. On a un cadeau pour lui. Ah ben. Abordez-la. Sleep to skip the day. Ah, il faut attendre, il faut passer le lendemain, d'accord. Bon, ben, il faut que j'aille dans mon lit, hein. Mais attendez, c'est quoi ce truc là-bas? Ah, c'est pour poser les personnages à mon guest. Il y en aurait 3 à trouver apparemment et à positionner là. Ok, 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 ok. Et ça va nous faire un imposteur. Bon, ben, ça va être bien, c'est parfait. Oh, c'est un rituel, le truc ou quoi ça? C'est quoi ce truc là? Ça va péter le truc. Je suis sûr, il y en a dans le métro. Ah, c'est pour débloquer le chapitre 2, en fait. Ah, c'est ça, il faut débloquer toutes les fins pour avoir le chapitre 2. Alors, reward wanted. Hein. Est-ce que je peux y aller ou il y a Thomas le train qui va venir me bouffer? Non, c'est bon. Non, mais apparemment, il n'y a rien à faire ici, hein. Donc on va rentrer. Hein. On peut pas ouvrir cette porte. Non, on peut pas. Bon, bah, go dormir, histoire qu'on soit le jour de l'anniversaire de notre ami. Hop. Oh, oh non. Quoi? Larry dead? Non, non. Non, mon axolot. Oh, j'aurais dû lui donner à manger. Oh, non. Oh, je suis dégoûté. Bon, bah, tant pis.
Oh, on va dormir pour oublier. C'est parti. Allez donc, jour de l'anniversaire de mon pote, le 15 mars, du coup le dimanche 15 mars. Et ça y est, on y va. Et Axelotti est toujours mort. Non, y a rien à faire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre ami et on devrait aller lui prendre un gâteau. Ouais. Où ça? Est-ce qu'il y en a au magasin là-bas? On va aller voir. Oh, il y a un autre personnage Among Us là. Parfait ça. Je vais aller le positionner là-bas, mais c'est le même que l'autre. Alors est-ce que c'est trois mêmes qu'il faut? Ah oui, c'est trois mêmes. Ok, allez, c'est parti. Ok, il m'en manque plus qu'un. Je sais pas pourquoi il était là, le personnage. Bon, par contre, j'espère qu'il a des gâteaux parce qu'il en avait pas tout à l'heure. Hein. Alors, Est-ce que t'as des gâteaux? T'as des gâteaux? Non, t'as pas de gâteaux, hein, mais... Peut-être qu'il faut le faire directement à la maison, le gâteau. Il faut le préparer. Bon, bah, je vais voir s'il est possible de faire le gâteau chez moi directement, hein, parce que je comprends pas là. Alors, ah oui, regardez, il y avait tout ce qu'il faut, il y a un petit bol là. Alors, est-ce qu'on a des trucs Ah, on pourrait peut-être mettre ça, les haricots, un petit gâteau aux haricots. Ah non, je l'ai mangé. Non, je voulais pas. Non, mais à mon avis, il faut la clé jaune. Il nous faut la clé jaune pour pouvoir avoir accès au gâteau. Hein. Quelque chose semble suspect. C'est quoi ça? Ah oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, bon, nickel, on a les trois. On va pouvoir activer le rituel d'imposteur. Oh non, les deux autres ont disparu. Bon, c'est pas grave, je sais où ils sont. Bon, par contre, j'ai toujours pas amené le gâteau à mon pote. Hein. Allez donc, je place le troisième et voyons. Oh, wow, il va me poursuivre ou quoi? C'est quoi ce délire? Oh, il est tellement classe. Salut, mec. Oh, oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette fin incroyable? Wow. On est en boîte de nuit! Ouais, boîte de nuit à l'extérieur! Tu peux m'expliquer pourquoi t'es là, Flash? Je comprends pas, là. Oh, c'est un délire, ce jeu, c'est un délire. Oh, il y a un petit Among Us ici, là. De quoi? Oh, il y en a partout! Il y en a partout! Il y a des imposteurs. Ils me regardent, en plus, ils me regardent. Oh, arrêtez de me regarder, laissez-moi tranquille. Je n'ai rien fait. Laissez-moi tranquille. Oh, fini? Oh, c'est fini. La musique est terminée. Oh. Ah ok, c'était la fin. Among Us. Bon, ça fait plaisir, 5 fins sur 9. Bon allez, je vais refaire dodo pour passer ce jour. Je vais avoir dodo comme ça. C'est quoi ce délire? Bon mon pote, je suis désolé, mais j'ai pas trouvé de gâteau pour toi, hein. Je... What? Oh. Eh, hey, salut mon gars, je suis venu souhaiter ton anniversaire. Oh, on a pu ouvrir les amis sans gâteau. Oh, let's go. Oh, salut Redkill. Merci d'être venu à mon anniversaire. Oh, pas de problème. Par contre, pourquoi ton nom change à chaque fois? Ça change d'ami, je crois. Tu as l'air tellement triste. Bien sûr! Joyeux anniversaire à toi! J'ai vraiment une tête, moi, c'est incroyable, j'aurais peur de moi-même. Merci. Est-ce que tu as un cadeau pour moi? Un cadeau? Disons que je me suis essayé à la cuisine. Je n'ai pas réussi. Ça commence à parler chinois. Ça va être chaud, là. Redkill, tu n'avais qu'un seul travail. C'était de m'avoir un boulot. D'avoir un gâteau. Un cadeau, plutôt. Oh, non! J'ai plus d'amis sur Roblox, maintenant! Il m'a supprimé. Oh, non! Je suis tellement PLS! Ah, je crois qu'on a débloqué la mauvaise fin, là. La fin qu'il fallait pas. Hein. Je vous avais dit qu'il fallait pas oublier l'anniversaire de votre pote. Oui, c'est ça! Ah non, c'est même pas la mauvaise fin, c'est la fin oubliée. Ah, mais let's go, les amis, regardez! J'ai tous les ingrédients pour pouvoir faire le gâteau. Oh, ok, il faut flore, des œufs, du malk. C'est quoi? C'est du lait? C'est du milk? Du rhubarbe! Et ensuite, il faut faire le tout et puis le mettre au four. Mais alors, attendez, il faut de l'argent. Donc, alors, est-ce que tu as tout ça? T'as les nouveaux trucs? Oui, regardez, il a plein de trucs maintenant! Ah, let's go! Oh, il y a la clé jaune! Bah attendez, on va pas prendre la clé jaune maintenant. Non, d'abord, on va faire le gâteau quand même. À un moment, il faut bien lui offrir quelque chose. Bon, par contre, je suis obligé de faire plein d'allers-retours, alors je vais aller mettre tous les ingrédients et puis on se revoit juste après. Hein. Allez, c'est bon, j'ai tout mis. Let's go. Alors, petit bol, on te prend, je te mets là-dedans. J'espère que ça va le faire. Tac, voilà. Ok, alors là, t'as un petit peu, je suppose, combien de temps il faut attendre? C'est peut-être déjà prêt? Non, c'est pas prêt? Ah, il faut attendre. Ah, ok. Mais peut-être qu'il faut aller dormir, hein. Mais attendez, mais... Si je vais dormir maintenant, est-ce que ça va pas mettre le feu à la maison? Ça, je le sens pas. Ah, j'ai entendu un petit bip. Oh,
Let's go! Il est parfait, ce gâteau! Bon, par contre, c'est demain l'anniversaire, donc je vais aller dormir tranquillement et j'irai lui donner après, hein. C'est bon, mon pote! J'arrive! Sauf que cette fois-ci, j'ai un petit gâteau pour toi! Voilà, c'est parfait! J'ai enfin réussi quelque chose! Allô? Ouvre-moi! Oh, il veut pas m'ouvrir. Ah, c'est bon! J'ai un gâteau! Regarde, mon pote! Oh, let's go! On est un bon pote, cette fois-ci! Voilà, j'ai fait un petit gâteau pour toi, mon ami! J'espère que tu es content. Merci! J'étais en train de penser que t'allais l'oublier. Non, moi, jamais j'oublierai ce genre de choses. Tu penses ça? Je ne ferai jamais des trucs du genre. Joyeux anniversaire, Frayne 7-8-7-8-7. Alors, oh, let's go, c'est une fin, c'est une nouvelle fin, les amis. Mais là, par contre, c'est la fin parfaite. C'est la bonne fin, ça. Oh, trop classe. Par contre, j'ai vu qu'on pouvait avoir la clé jaune, donc, dans le supermarché. Donc, on va aller prendre la clé jaune, voir ce que ça donne. C'est effectivement la bonne fin. Alors, par contre, la clé, ouais, elle est payante. Oh, 5$. C'est la clé de chez moi, mais elle est payante, quoi. Le gars, il a retrouvé une clé. Il s'est dit, je vais la vendre 5$. Allez, tiens, prends ça. Mais alors, que renferme ce petit placard? Ça, je me le demande. Voyons voir. Ouvre-moi ça, mon pote. Ouvre. Allez, ouvre. J'ai la clé, c'est bon. C'est ouvert. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Oh, c'est du poison! J'ai du poison! Non, mais attendez, ça veut dire que... Attendez, on doit refaire le gâteau en entier? Déjà, c'est hyper long, mais avec du poison... On serait pas sur la mauvaise fin, là, les amis? Oh, j'ai mis le poison, ça se voit pas, mais je l'ai mis dedans. J'espère qu'il a pas disparu. Bah, attendez, je vais aller rechercher les ingrédients, et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Le gâteau est prêt! Enfin, il faut juste le faire chauffer, mais il y a un petit poison à l'intérieur! Alors, on va attendre que ce soit cuit, hein. C'est prêt. Alors, tu croyais que j'avais oublié ton anniversaire, mon pote? Vas-y, ouvre-moi. Salut! Oh, mon pauvre. Salut, Redkill. Ah, je suis très content que tu sois venu. Pas de problème. T'inquiète, on est là. J'ai fait un gâteau pour toi. Merci. Je pensais que tu allais oublier. XD. T'inquiète pas, j'ai rajouté une touche finale, mon pote, avec ton canon Robux, là, tu vas voir. Non, je ne ferai jamais ça. Joyeux anniversaire, Tarantino. Taranito. On va partager ce gâteau ensemble. C'est parti, vas-y, mange une part. Mange une part. Moi, j'ai pas faim, je me... j'ai mal au ventre. Voilà la scène suivante. Je prends possession de ta maison. Merci, mon ami. Bon, bah là, je pense que j'ai pas besoin de vous le décrire, hein. On est sur la bad ending, quoi, la mauvaise fin, quoi, clairement. RIP, Taranito. Ah, et moi, je suis tout content maintenant avec ma fiole vide. Ah là 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 là. Bad ending, c'est ça. Bon, bah, il ne reste maintenant plus qu'une seule fin à compléter. Mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être, hein. Ah bah, oh, mince, je me suis repris la porte, mais regardez, il y a un autre truc, là. C'est quelque chose ne se passe pas comme prévu. What? What? C'est quoi, ça? Pourquoi c'est devenu tout violet, comme ça? Quelque chose a changé. Il y a un portail du Nether. Est-ce qu'on devrait y aller? Je sais pas. Oh, on a joué une heure, les amis, ça fait une heure que je fais les fins et tout. Oh. Bon, bah, direction ce portail, hein. J'imagine que c'est une nouvelle fin. Oh, quoi? Où est-ce que je suis? Bah, tu viens de prendre un portail, mon pote, alors te demande pas où t'es. Tu savais très bien que t'allais être dans un endroit chelou. Ah, tu es dans ma dimension. Oui, tu es qui? Laisse-moi m'introduire, je suis Dude-Man. Dude-Man, ok, Dude. Il y a deux choses que je dois te dire. Ceci est une simulation, pas vrai? Apparemment, il a un truc à nous dire, mais il sait pas comment résoudre le problème. L'anniversaire, le gâteau, tout ça. Tu devrais voir par toi-même. Tu devrais comprendre par toi-même, je pense. Ah, mais moi, je comprends pas. Si vous avez un haricot bleu, d'accord? Rien ne va se passer. Vous allez continuer votre journée dans notre dimension. Ouais, et tu vas me proposer un haricot rouge, c'est ça? Ou alors vous choisissez l'haricot rouge. Et vous allez revenir dans la réalité. Choisissez bien. Les amis, est-ce qu'on serait pas bien dans cette dimension, en vrai? Pilule bleue ou pilule rouge? Oulalalalala. Je tente très bien la bleue. Allez, go! Qu'est-ce qui va m'arriver? Pour être honnête, ceci est un mauvais choix. Ah, ok. Très bien. Le rouge vous aurait donné une nouvelle fin. Et ben le bleu, bah, qu'est-ce que c'est? Ça va être une fin aussi. Et dans ma... C'est le moment pour toi de partir. Ah. Non, c'est la fin sans fin. C'est pas de fin. Bon, bah, je vais prendre la rouge, alors. Ah, choix très intéressant. Vous avez choisi la réalité. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Quoi à propos d'un univers plutôt qu'un métaverse? Je l'ai pas, là. Ce que je veux dire, c'est... va toucher de l'herbe.
toucher de l'herbe. Mr. Dudeman, je suis venu ici pour la fin finale, hein, pas pour une leçon. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous avez choisi la réalité, alors tu auras la réalité. Oui. Allez, je te donne la fin. Maintenant, c'est le moment d'y aller. Ah, et on peut jouer le chapitre 2 maintenant. Ok, c'est la fin, bah ok, nickel. C'était la bonne fin. Bon, bah ça y est, normalement, on a fait les 9 sur 9, let's go! Il y a la possibilité de jouer au chapitre 2 maintenant dans le métro. Si jamais vous voulez que j'y joue, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça sera avec grand plaisir. Salut à tous, c'était Redkill, bye tout le monde!